Voilà, donc la page d'après, ça s'ouvre comme ça, avec la pochette photo, toujours. Une petite interaction ici avec une photo. Tout simplement, j'ai pas voulu remettre encore des. J'aurais pu remettre des choses comme ça. Mais ça fait beaucoup en poids. Là, il y a une petite couronne. Un feutrine qui vient de chez Action. Hein? Ah voilà. Donc, cette page-là, elle est spéciale. Dans le sens où il y a déjà ça qui fait avec la fuse. Ensuite, il y a une page comme ça que l'on tire, qui va venir s'ouvrir de cette façon. Et ce sont quatre petits emplacements pour mettre des photos. Et à chaque emplacement, il y a une petite pochette pour mettre des notes. Plus qu'une photo, je pense que les notes seront les bienvenues. Idem de l'autre côté. Donc ensuite, dans les pochettes, on peut y glisser des petites choses. Moi, j'ai glissé des petits tags. Premier pas. Premier pas. On pose tout ça. Oups. Ah, une masse, c'est toujours pas top. Voilà. Donc la page du dessus, c'est pareil. Il suffit de glisser vers le bas, ma petite princesse, et c'est pareil. Hop, voilà, ça se remet. Ça, c'est la page qui vient fermer cette page. Là où il y a encore une interaction cette façon-là avec photo et voilà. Du coup, j'ai pas beaucoup décoré, je laisserai les soins à la maman d'y mettre ce qu'elle veut, si elle veut y mettre quelque chose ou pas. Mouchette, je crois que tu me gênes. La dernière page. La dernière page, c'est la page des 1 an, donc idem, ça s'ouvre et on y trouve 2 photos. Elle est fermée par elle tient par un aimant. Et de ce côté, derrière, on a encore une photo 15-15, enfin une. 3 photos 15-15 qui viennent se cacher derrière. Voilà.